Il a l'air de rien, mais la sauce, elle est excellente. Cheat meal au max. J'ai adoré. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau diet vlog. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un petit vent quand même. Donc j'espère que je suis audible. Je suis super contente de vous retrouver avec un soleil de folie en face de la mer d'ailleurs. Je suis juste ici. Pour ceux qui connaissent, je suis au petit espace sportif du Robert. Pas très loin du bourg, du coup c'est juste à côté. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, je suis à l'espace sportif du Robert parce que je vais faire quelques petites activités avec les filles. En plus il fait pas mal chaud, donc ça me fait transpirer un maximum. C'est vrai que je vous ai dit que je voulais à fond faire de la danse et je vais vraiment, je pense, cette semaine faire des activités aquatiques pour sûr et surtout toute seule. Parce que là c'est vrai que je suis avec les filles pratiquement en permanence étant donné que Joshua est au sport et mon chéri travaille, mais je vais essayer de me dégager un temps pour aller à la piscine, faire de l'aquagym ou je ne sais pas encore. C'est parti. Un double clubhouse. Le menu, un grand frites avec Sprite s'il vous plaît. Passez-moi un sneak, un pack fleuri sneakers avec une boîte de neuf de nuggets. Et... J'ai quand même perdu pas mal depuis maintenant le mois de juillet. Je suis vraiment sur la bonne voie. C'est vrai que je me trouve un peu trop graisseuse par rapport à avant, mais c'est le manque de sport étant donné que j'ai vraiment peur de faire du sport comme avant en fait. Tout ça à cause de qui? J'adore le Sprite quand il est coupé avec de l'eau. Même le Coca. J'aime pas le Coca. C'est rare que je vais acheter du Coca comme ça pour moi. Pratiquement jamais, mais le Coca ou le Sprite du McDo, et ben je vais prendre sauce chinoise, c'est trop bon les filles. Je suis ronde, je suis laide, mais vraiment, et c'est réel hein, ce que je vous dis. Je suis hyper laide, je comprends pas pourquoi. Alors, par exemple, il y a une de mes cousines qui s'appelle Fedora, elle est très ronde, mais elle a un visage de poupée. Après, moi je ferai pas ses choix à elle parce qu'elle est dans la mouvance curvy influenceur, etc. Bientôt, je vais faire un bilan hormonal, mes filles. Clubhouse, trop bon. Les filles, il a l'air de rien, mais la sauce, elle est excellente.
Mon chéri m'a dit que j'ai pris un peu de jus. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles. Mais bon, soyons fous, c'est ma semaine de pré-anniversaire. Donc, je vais me prendre un petit brunch avec ma Mimi qui est KO juste derrière. On va aller à Zachary Brunch, les filles. J'ai vu des photos incroyables, en fait, des plats là-bas. Et j'ai vraiment envie de me détendre et de profiter un petit peu de mets succulents. Même si j'ai vu qu'il y avait des mets pas mal healthy. Mais ça, ça sera pour un autre diet vlog. Là, c'est vraiment... semaine cheat meal au max. On va manger. Concernant Zachary MQ, j'ai adoré. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir attendu de tester ça avec Joshua, Ariel et mon chéri. Je ne sais pas si avec le recul on va le faire, étant donné que même si la nourriture est bonne, je trouve qu'il y a trop de proximité avec les autres clients. C'est vraiment un brunch où on est assez proche et on ne peut pas avoir des discussions de manière intimiste. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Même si vous savez que pour moi, c'est super important parce qu'au-delà de manger de la nourriture qui va être entre guillemets goûteuse, plus goûteuse, je dis ça pour les personnes qui ne connaissent pas la vraie nourriture healthy et qui est tout aussi goûteuse. C'est vraiment le moment que je passe en famille avec mes enfants, avec ma mère. Souvent, on aime bien faire des petits restos au Buffalo Grill. Et là, du coup, avec mon chéri. Le bilan du cheat meal, il est un petit peu mitigé. Dans le sens où pour moi, le cheat meal, même si c'est fait pour m'assurer que effectivement j'ai pris la bonne décision de changer d'alimentation, c'est pas fait en fait pour quand je rencontre certains aliments que j'aurais dû normalement balayer d'un revers de main, en vouloir plus. Je vous explique les filles. Dans l'assiette d'hamburger, il y avait du chou blanc et du chou rouge. Je pense que c'était la chose la plus goûteuse et la plus bonne. L'hamburger était super bon. Le poulet était exquis. Et moi, je ne mange pas beaucoup de viande en ce moment. Cependant, le chou, les filles, le chou à un point que quand j'ai payé, j'ai demandé au personnel s'il faisait des salades de chou blanc et de chou rouge. Mais malheureusement, ils n'en font pas. Je sais que Zachary MQ, c'est situé à côté d'une pharmacie, à côté de restaurants, à côté de certaines entreprises. Il y a Shell Cher qui n'est pas loin. Et franchement, je pense qu'ils peuvent avoir, et ils ont une clientèle de personnes qui mangent le midi, mais pourquoi pas faire des salades en fait. Surtout des bols hyper healthy avec de la viande, avec du poisson ou non d'ailleurs. Donc c'est ça qui était un petit peu bizarre. Parce que c'est la chose que j'ai le plus aimée. Même si je ne vais pas vous mentir que la viande, elle était hyper bonne. L'hamburger était hyper bon. Le pain, super moelleux. J'ai jamais mangé un burger aussi bon. Et il faut savoir que moi, je ne suis pas très burger chicken. Je suis plutôt burger bœuf. Si je mange de la viande. Mais là, mais vraiment, la viande était juste exquise. Là, je suis en train de revisiter ce que je pense et je pense qu'on va faire un petit tour pour mon anniversaire avec les enfants et mon chéri, surtout que mes enfants et mon chéri, ils adorent bien manger. Par contre, les filles, la chose qui m'a rebalancée
dans le fait d'être mitigé, c'est le dessert. Je vous le montrerai juste ici. Il faut savoir que ce qui m'a donné envie d'aller manger à Zakarim MQ, c'est ce dessert que j'ai découvert chez l'instagrammeuse Marzo, qui est la référence food ici en Martinique. Elle fait découvrir des tonnes et des tonnes d'endroits. Il faut savoir qu'ici, au niveau du référencement internet, pour certains établissements, c'est vraiment pas top. Vous avez pu trouver ça sur Instagram par recommandation d'influenceurs locaux, mais également les recommandations d'Instagram. Parce que sur internet, sinon, laissez tomber. Et je voulais absolument goûter ça parce que ça m'avait l'air exquis. Quand j'étais sur Zakari MQ, quand j'ai vu la carte les filles, je me suis dit waffle, donc gaufre avec granola. J'adore le granola. Attendez, je suis la reine du granola quand j'en ai à disposition, mais je pense que je vais en faire. Plus du chocolat et une petite mousse fouettée. Déception totale, les filles. Déception. Parce que j'avais l'impression que déjà les gaufres, pour moi, elles n'étaient pas trop à mon goût, disons. Et que surtout, moi, je suis fille de Belge. Mon papa, il habite en Belgique actuellement. Et ma mère, de base, elle habite en Belgique. Et j'adore les gaufres belges. D'accord ? Avec le sucre à l'intérieur et tout. Et c'est vrai que je pense qu'il y a ça qui jouait sur le fait que je n'ai pas apprécié la gaufre, même si, à mon sens, elle n'était pas top. Ce que je veux dire est une bonne chose. Mais quand on voit le chocolat sur la photo et même sur la vidéo, on s'attend à un chocolat du style Nutella, surtout que c'est avec une gaufre. Et ce n'est pas du chocolat du style Nutella, c'est du chocolat vraiment chocolat. Du coup... Donc j'ai été un petit peu déçue de ce côté-là, même si c'était pas mauvais. Je ne reprendrai pas la gaufre, mais par contre, je reprendrai volontiers la semaine prochaine. Si Dieu veut, les filles. Parce qu'il y a mon anniversaire, donc on va stopper, je pense, aujourd'hui ou peut-être demain, après un dernier écart, la semaine des cheat meals. Mais il y aura un cheat meal forcément quelques jours après l'arrêt de cette décadente semaine alimentaire, étant donné que c'est mon anniversaire. Tu la veux dessus ou pas? Non, je veux bien pas. La semaine de la débandade s'achève avec un yum cake. C'est yum cake qui me semble, je sais pas. En tout cas, c'est des mini pancakes avec du Nutella, avec un topping aux sneakers. Bon, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Moi personnellement, les filles, je ne tripe pas sur le fait de faire des cheat meals. C'est pas quelque chose qui me stresse, c'est pas quelque chose, voilà, je les assume. J'assimile pas ça à du binge eating. J'ai un petit peu gonflé, entre guillemets. Après, il y avait le stress aussi à cause des commandes du site, il y en a eu énormément, etc. Aussi le stress de ma vie. J'ai eu une période stressante parce que je dois déménager depuis maintenant un an, je trouve rien. En même temps, j'aimerais bien aller en France. En même temps, mon chéri il est d'ici. C'est un type des îles qui n'a jamais quitté ses îles pour vivre ailleurs. Je me suis rendu compte également que j'adore faire des diet vlogs. Cependant, je suis pas dans la bonne maison pour. Je suis même en train de me dire, est-ce que je vais pas continuer à en faire comme je faisais avant quand j'aurais déménagé, parce que j'adore préparer, j'adore me transformer, voir comment, en fait, également par rapport aux clientes que j'ai, elles peuvent se transformer de la même manière mais avec des protocoles différents. Mais c'est vrai que la maison, là, c'est plus possible du tout et ça m'a fait beaucoup stresser. Je me suis dit, allez, je tasse la pression, surtout que c'est mon anniversaire. Je fête mes 30 ans, soyons. Mais là, ça fait beaucoup d'écart quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup d'écart. Entre là, la journée bateau, parce que je vous ai pas filmé la journée bateau. La journée bateau, il y a eu pas mal d'écart aussi. Le brunch, et ceci, et cela. Vous êtes sûr que... À partir du prochain vlog, on part sur une cure de Power Slim pour ne pas changer avec Power Slim Caps. Je voulais pas faire de cure de Power Slim Caps avant 2024, mais on va repartir sur ça parce que j'ai vraiment besoin d'un gros boost. Et là, je vais partir sur une cure
l'équivalent de la boxe. La boxe cure. Je retente le bubble tea. Pas mal, il y a de la framboise. Du kiwi, un supplément framboise également. Ça fait transpirer de ce bois frais. Took a chance on a good thing. Yeah. Now I got you on my ride.